Bonsoir, c'est Nicoletta dans Basique. Nicoletta repart en tournée avec ses chœurs gospel. Elle fêtera aussi ses 50 ans de scène au Lido à Paris en novembre prochain. C'est entre deux dates qu'elle a accepté de nous parler de son rapport à la scène. C'est ma vie, c'est mon métier. Vous savez, moi je suis une cigale, hein, je chante. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la vie de saltimbanque. C'est prendre la route avec les copains, avec des choristes, des musiciens, faire des vocalises et ensuite se faire belle pour attaquer le rendez-vous qu'on donne au public. Un souvenir de vos premières scènes, Nicoletta ? Oh là là, un jour, Jacques Brel vient m'écouter chanter. J'étais en première partie d'Adamo. Il m'a tellement fait peur que j'ai commencé des chansons pas du tout le bon ton. Un ton au-dessus, l'orchestre me courait après, je descendais, recourait après. C'était une horreur. Lorsque je suis sorti de scène, je suis tombé sur lui et j'ai éclaté en sanglots. Il me consolait comme une enfant, c'était un beau souvenir. À vous de créer vos souvenirs en concert avec Nicoletta. Elle passera par Périgueux le 8 septembre, Rennes le 17 et elle fêtera ses 50 ans de scène en grande pompe au Lido à Paris les 4 et 7 novembre prochains. Il est mort le soleil. Comme chaque vendredi, Basique vous donne deux incontournables pour votre week-end. On commence avec Hussard. C'est milliards sur la terre et je ne pense qu'à toi. Mon amour, la lumière suit le bruit de tes pas. Et enfin Thomas Gerlet. I should have known better that they lost my gun. Ces deux nouveautés sont à écouter dans la playlist 2021 de Basique sur Spotify. Bon week-end.